Mas é bom. Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Président du Grand Conseil, Monsieur le Procureur Général, Madame et Messieurs les Conseillers d'État, Mesdames et Messieurs les députés Genevois aux Chambres fédérales, Messieurs les membres du Bureau du Grand Conseil, Mesdames et Messieurs les députés au Grand Conseil, Madame la Chancelière, Mesdames et Messieurs les magistrats de la Cour des comptes, Monsieur le Président du Conseil municipal de la ville de Genève, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, Mesdames et Messieurs les représentants de l'état-major de la police, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Académie de police de Savatan, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités militaires, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités de la France voisine, Mesdames et Messieurs, je déclare ouverte la cérémonie de prestation de serment de l'école de police EA1-17. Monsieur le Président du Conseil d'État, l'école de police... Madame la commandante de la police, vous pouvez donner le repos. École de police, repos. De la formule du serment. Pendant ce temps, vous tiendrez la main droite levée. Lorsque cette lecture sera terminée, vous baisserez la main. Veuillez lever la main droite. Madame. D'être fidèle à la République et canton de Genève, de remplir avec dévouement les devoirs de la fonction à laquelle je suis appelée, de suivre exactement les prescriptions relatives à mon office qui me seront transmises par mes supérieurs dans l'ordre administratif, de garder le secret de fonction sur toutes les informations que la loi ou les instructions reçues ne me permettent pas de divulguer, de dire dans les rapports de service toute la vérité, sans faveur ni animosité, et en général... Romain. Monsieur Romain Genoux. Je le promets. Détachement, garde à vous, fixe. Vous êtes
Et à chaque occasion, c'est ce même double sentiment qui nous étreint. Un sentiment de gratitude et un sentiment de reconnaissance. Un sentiment de gratitude, bien évidemment, à l'endroit d'abord de celles et ceux qui viennent de prêter serment et de s'engager vis-à-vis de la collectivité. Un sentiment de gratitude également à l'endroit de celles et ceux qui vous entourent, vos proches, qui ont pu déjà au cours des derniers mois mesurer ce que représentait votre engagement, qu'ils soient ici remerciés par avance pour leur appui et leur soutien dans les années de service que vous allez accomplir. Des remerciements qui s'adressent également à l'endroit de vos instructeurs, à l'Académie de Savatan en particulier, mais plus généralement à toutes celles et tous ceux qui ont contribué ces derniers mois et qui vont le faire encore au cours de ces prochaines années, à vous former, à vous permettre de vous développer dans l'accomplissement de votre fonction. Je le précisais il y a un instant, votre formation n'est bien sûr pas finie. Elle ne fait en réalité que commencer, et c'est au contact du terrain, des réalités, que vous allez parfaire celle-ci. Outre la reconnaissance et la gratitude, le Conseil d'État exprime toujours le sentiment de fierté de vous voir ici réunis dans le cadre de ce rituel républicain qui marque, nous l'espérons, mais nous en sommes en réalité certains, pour vous, un repère. Et si cette cérémonie doit s'inscrire dans un contexte particulier, c'est moins celui de la fin de la législature que celui de l'acte de bravoure que nous devons saluer, qui s'est opéré à quelques centaines de kilomètres d'ici en fin de semaine passée et qui amène au même moment, mesdames, messieurs, au même moment que cette cérémonie, le président français, à quelques centaines de kilomètres là aussi d'ici, sur la cour des Invalides, à rendre hommage à l'un de vos frères d'armes. Un de vos frères d'armes, le colonel Arnaud Beltrame, qui, par son sacrifice, a rappelé le sens de la mission. Cet homme a donné sa vie pour sauver celle de civils innocents. Il s'est sacrifié pour défendre des femmes et des hommes menacés par un fanatique, aveuglé par son idéologie meurtrière. C'est dorénavant une figure des forces de l'ordre. J'aimerais ici, au nom du Conseil d'État, m'associer par un message d'émotion et de respect au recueillement qui est en train de se passer à Paris au même instant. Transmettre nos pensées qui vont à ses proches pour les accompagner dans la douleur de ce deuil. Et rappeler ici, parce que c'est ça le sens de la mission, que la première ligne de défense des valeurs qui fondent notre pays, c'est la police qui l'incarne et qui l'assume. Et que plus que jamais, aujourd'hui, la police est en mission. Mesdames, Messieurs, vous le savez parce que vous y avez goûté à la faveur de vos immersions, un policier voit chaque jour ce dont l'être humain est capable de commettre de pire. Ici, avec cet exemple, dont j'aimerais que vous vous souveniez parce que cette date va avoir une résonance, le 28 mars 2018, le colonel Arnaud Beltrame a accompli ce qu'il y a de meilleur. Un acte de courage, de bravoure, un véritable don de soi. Plus que ça, l'accomplissement de la mission jusqu'au sacrifice ultime. Honneur soit rendu au colonel Arnaud Beltrame. Les valeurs sur lesquelles a reposé son action sont nourries à l'idéal de votre devise, de notre devise, protéger et servir. Puissiez-vous, mesdames, messieurs, trouver dans votre noble et exigeante fonction l'accomplissement de l'engagement que vous venez de prendre. Et puissiez-vous vous rappeler toujours de la valeur de cet engagement au bénéfice de notre démocratie. Vive la police genevoise, vive la République et canton de Genève. Thank you.
Monsieur Baird, vous étiez ancien commandant de la gendarmerie genevoise. Quel est aujourd'hui, après cette assermentation de l'école d'aspirants, quel est votre regard ? Mon regard reste le même qu'il y a 20 ans. C'est une cérémonie traditionnelle qui est maintenue à travers les années. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose de magnifique de pouvoir perdurer à travers le temps, l'histoire, et mettre en valeur cette police et ces aspirants qui entrent actuellement dans leur nouveau métier. Et la présence du Conseil d'État fait que cela restera certainement, et je sais que ça reste quelque chose de marqué dans leurs esprits. Les années ont passé. Le métier est une autre sorte de métier. On voit tout ce qui se passe ici et au-delà des frontières. Pour vous, qu'est-ce que vous pourriez dire à ces jeunes qui viennent d'être assermentés dans leur métier ? Je leur dirais que c'est un des plus beaux métiers. C'est un métier où la valeur humaine est l'essentiel. Quelles que soient les techniques, quelles que soient les tactiques, la première des choses, c'est la valeur humaine. Et ils auront toujours à être confrontés à soutenir des hommes et des femmes. Mais les choses ont bien changé entre votre période et notre période. Certaines choses ont changé, je dirais un peu la carapace, certaines technologies. Mais vous savez, les techniques restent les mêmes. Et je dirais qu'on reste dans un environnement qui n'a pas tellement changé. La problématique... de la population à protéger, la problématique de la criminalité reste la même. Les formes ont changé, mais la douleur, la joie n'a pas changé. Oui, mais ce que je veux dire, il y a maintenant, en plus de ce que vous dites, il y a le terrorisme. Et terrorisme, on n'a qu'à voir ce qui s'est passé à Paris, comme a dit M. Maudet. Il y a quand même des choses qui ont bien changé dans ce domaine de la vie à l'heure actuelle. Il est vrai que le terrorisme d'aujourd'hui a bien changé. La face est différente. Je pourrais simplement vous rappeler que le terrorisme d'Action Rouge en Allemagne, en Italie, le terrorisme palestinien des années 70 était aussi du terrorisme. Eh bien... Ouais, ça c'est vrai. Alors, l'ordonnance 1950, mais moi je le porte depuis 1970. Voilà. On est fier de le porter. Voilà, c'est les grades de maréchal de gendarmerie. Coucou. Quelle année votre costume ? Alors là, on est depuis les années 60 jusqu'en 86. C'est ce qu'on voyait au milieu de la rue avec ce fameux porche, ce podium. Sur les boyons de circulation, oui, tout à fait. Avec les VV coccinelles également, oui. Oui, avec le c'était vraiment, c'était l'image du gendarme des années 60-70. Détaché auprès de la police cantonale, des polices cantonales suisses. Régulièrement, je participe à ces cérémonies et je suis tout à fait fier d'être inclus dans le dispositif suisse. Quel est pour vous, on sait qu'en ce moment
quel est votre regard sur ce que M. Maud a dit lors de cette cérémonie de prestation de son mandat à la police? Bien, tout d'abord, en tant que représentant de gendarmerie, j'ai été énormément touché par les paroles qui ont été faites par le conseiller. Il a expliqué qu'effectivement, le métier de policier pouvait aboutir jusqu'au sacrifice ultime. Je suis très reconnaissant de ces paroles vis-à-vis de la police et gendarmerie française. Entre la police et gendarmerie française et les Suisses, ces jeunes recrues, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez connu? Qui commence un métier qui est particulièrement difficile, qui n'est pas facile à exécuter, et qu'ils auront besoin de beaucoup de courage dans l'avenir. Merci Maudet, vous êtes conseiller d'État. Ce matin, il y a eu la prestation de l'école de police de Saint-Martin, et lors de votre allocution, vous avez voulu rendre hommage aux victimes du terroriste en France. Expliquez-nous en deux mots qu'est-ce que vous avez voulu dire de votre hommage. Bon, pour moi, c'était important, à l'occasion de cette prestation de serment qui a été fixée de longue date, d'inscrire cela dans un contexte. Ce contexte est celui de la lutte contre le terrorisme, qui est une tâche un peu nouvelle pour la police, qui concerne aussi la police genevoise, et de dire qu'un exemple récent de bravoure et de courage vous a été fourni par ce colonel de la gendarmerie française qui s'est substitué à des otages et qui l'a payé du prix de sa vie. Donc des jeunes gendarmes ou des jeunes inspecteurs qui prêtent serment doivent être conscients que la notion de devoir et de service peut aller, cas échéant, même si c'est évidemment extrêmement rare, jusqu'au prix de sa vie. Est-ce que pour vous, qu'est-ce que vous attendez de vos hommes? Est-ce que vous attendez aussi qu'ils fassent la même chose que si ça arrive un jour, un homme ou une femme, un policier, arrive à faire ce que ce colonel, maintenant que le colonel, l'a fait? Alors moi j'attends des agents qui ont prêté serment ce matin, des agentes et des agents, qu'ils soient capables de comprendre que la devise de la police, protéger et servir, ça repose sur des valeurs. Et que ces valeurs, elles sont extrêmement importantes. Quand ils prêtent serment devant le Conseil d'État, ils et elles s'engagent effectivement à servir la population dans des situations potentiellement très très difficiles, dans lesquelles on a un quart de seconde pour décider. Et que ce choix peut porter à conséquence, cas échéant, pour leur vie. Vous êtes beaucoup en contact avec la gendarmerie française dans le territoire de l'Est. Qu'est-ce qu'ils disent, eux, sur nos polices, à nous, à vous? Alors, je crois que la collaboration s'effectue très très bien, ils se reconnaissent et ils se connaissent. Je crois surtout qu'il y a un grand respect mutuel. Nous, de notre côté, en Suisse, parce qu'on sait l'effort que fournissent les forces de l'ordre françaises s'agissant de la lutte contre le terrorisme, qui dure maintenant depuis 2015. Il y a eu 2 ans d'état d'urgence et maintenant des lois qui mettent à forte pression. Mais également, du côté français, un grand respect pour l'activité déployée en Suisse, avec une architecture intérieure compliquée, il y a les gardes frontières, les polices municipales, police cantonale, mais la capacité véritablement, avec des gens très bien formés, d'arriver à un bon niveau de sécurité. Ma dernière question, non, on n'est pas à l'abri de Genève, même le périphérique de Genève, on n'est pas à l'abri de l'acte touriste. Non, c'est une très bonne question. Certains continuent de dire qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter et qu'on n'a pas besoin de se préparer parce que la Suisse serait automatiquement protégée parce qu'elle est neutre ou que sais-je. Ben, c'est faux. On a vu que des pays qui étaient a priori pas dans l'écran radar des terroristes en réalité étaient menacés et ça pourrait aussi se produire ici, en particulier à Genève avec la présence d'organisations internationales. Voilà. Et vous êtes prêts à affronter le risque? On n'est jamais totalement prêts, mais on fait tout pour l'être.